Salut tout le monde, c'est MarioLender et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Avatar. Et cette fois-ci, je vais vous montrer les pouvoirs de l'air. Alors, les pouvoirs de l'air, c'est l'un de mes préférés, les pouvoirs de l'air. Car en fait, voilà, ça nous rajoute en fait ce vitesse. Quand on essaye d'aller vite, eh bien, on peut aller vite et on peut sauter haut. Voilà, donc. Vous sprintez et vous avez vitesse, je sais pas combien, vitesse 2 et soit amélioré 3. C'est ça qui est franchement bien. Et vous l'avez automatiquement à chaque fois que vous courez et que vous sautez, à chaque fois. C'est franchement quelque chose de bien. Bon, maintenant on va passer au pouvoir donc de l'air. Les pouvoirs de l'air, je vous ai présenté les pouvoirs de l'eau la dernière fois. Voici maintenant les pouvoirs de l'air. Je vais vous montrer donc à côté, c'est tout rempli. Tous les pouvoirs. On va commencer par le tout premier Air Blast. Air Blast donc qui est-ce qu'il y a un zombie dans le coin? Putain, il n'y a aucun mob, c'est pas normal ça. Il y a aucun mob à l'horizon là. Donc c'est ça vraiment ce qui est pratique, on peut aller très très vite en courant tout le temps. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a aucun zombie là, je peux pas montrer les pouvoirs là. Ça va être un peu compliqué. Arrête de bugger, s'il te plaît. Ah bon. Ah. Vous avez décidé de bugger, monsieur. Oh là là. Et oui, donc maintenant, voilà. Voilà, c'est bon. Je vais arriver. Alors que quand on ne prend pas de dégâts de chute, je vais vous montrer. Avec le soin amélioré, donc. Quand vous avez ce pouvoir, vous pouvez tomber de n'importe quelle falaise, vous aurez pas mal. J'arrive déjà à monter. Voilà. Donc voilà, je vais sauter du haut d'une falaise. Je n'ai pas eu mal. C'est ça franchement ce qui est pratique avec quand on est dans la Airbender. Par contre, il n'y a aucun mob, donc je vais devoir montrer ça. Comme ça, je pense. Bon, je suis désolé, mais je vais devoir vous montrer comme ça. Bon, on va commencer donc par Air Blast. Vous faites un clic gauche. Alors, ça lance de l'air sur vos adversaires, mais surtout ça les repousse. Ça les repousse très loin. Air Shield, c'est un pouvoir super génial qui est qu'on ne peut pas traverser. Voilà, vous faites Sneak. Vous faites sneak et il y a un bouclier d'air qui empêche les mobs de passer. Et rien ne peut passer, vraiment rien du tout. C'est ça qui est bien. Après Air Bubble, ben c'est comme Water Bubble, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Vous faites un sneak dans l'eau et ça fait donc une bulle. Ensuite, Air Spout, comme Water Spout, sauf que là, on peut se déplacer de partout. Vous faites un clic gauche et on peut même se déplacer dans l'eau. On peut aller, on peut pas aller si haut que ça aussi. Hein, voilà. Par exemple, là, je peux pas aller plus haut, c'est pas possible. Voilà, donc faites un clic gauche en l'air et vous pouvez aller sur l'eau, sur la terre, même sur le feu si vous voulez, sur la lave, ça ne craint rien. C'est juste Water Spout qui ne marche pas en fait, c'est ça. Water Spout, ça ne marche que dans l'eau. Voilà, alors, Air Suction, par contre, je vais devoir. Il faut vraiment que je. Que j'attende parce que là, ça va. Parce que ce pouvoir, en fait, ça marche que si. Zombie, voilà. Air Suction, vous faites le clic gauche, et voilà, ça le lance très loin. Si vous non, vous pouvez descendre là. Viens ici. Voilà, putain. Voilà, bon, il est mort. Donc, je vous ai montré Air Suction. Par contre, il y a une autre manière de l'utiliser. Si seulement il y avait un creeper ou quelque chose dans le genre. Il n'y a pas de creeper dans le coin. J'espère que vous voyez plus, par contre, les barres noires autour. Parce que... Ah, voilà, donc, viens la poule. Viens. Viens, je te dis. Viens. Là par contre tu m'énerves. Allez bouge. Non, non, allez, allez. Voilà. Non, non, non. Pas un canard, t'es une poule. Voilà.
Voilà, vous faites sneak sur la poule et pouh! Et ça n'a pas marché. Très bien, bon. Ah, ça ne marche pas, bon, très bien. Ah si, c'est bon, ah voilà. Donc ça, en fait, ça la projette encore plus loin. En fait, ça, vous le prenez, c'est comme si vous l'envoyez à l'autre bout du monde. C'est un des pouvoirs qui est super. Ensuite, Air Swipe, qui est franchement un très très bon pouvoir, mais c'est pas le meilleur. Donc vous faites un clic gauche devant vous. Fou, ça lance une rafale d'air qui fait beaucoup de dégâts aux joueurs qui sont devant vous. Voilà, futile. Voilà, ça lance une très grosse rafale de vent. Alors, Airburst, c'est l'un des meilleurs. Vous faites sneak pendant longtemps. Vous maintenez sneak. Quand vous voyez de l'air, voilà. Moi, je fais 5, mais c'est pas besoin de le faire. Vous lâchez. Et voilà. Et ça, voilà. Vous avez vu dans le coin? Je sais pas si vous avez vu, je refais. Sans faire. Voilà. Voilà, ça projette, ça fait un immense rond d'air et ça les projette très loin. C'est beaucoup plus fort que Air Suction. C'est super. Donc, Air Scooter, c'est celui que je maîtrise le moins. Je sais pas comment on utilise ce truc. Ah, j'ai peut-être trouvé. J'ai peut-être trouvé. J'ai compris, c'est bon, c'est bon. On peut se déplacer. Attends, je vais faire F5. Voilà. Alors, par exemple. Voilà. Vous avancez très vite, enfin vous courez. Et sur l'eau, vous faites clic gauche. Et ça, voilà. En gros, ça m'a projeté de l'air derrière moi, donc ce qui me fait aller encore plus vite. Voilà. C'est tout. Et le meilleur d'entre tous, le meilleur, la tornade. La tornade. Comment on fait la tornade? Comme ça, on fait un sneak. Oula. On fait un sneak devant soi. Et bouh! Une tornade géante. Ah, et on peut la contrôler, hein, on peut la mettre partout. Et même, le mieux, c'est qu'on peut se mettre dedans. On peut se mettre dedans, c'est trop bien. Ouais, bon, quand on lâche, on risque. Y a du monde? Ouais, y a que moi. Y a que moi. Bon. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré comment apprendre les pouvoirs de l'air. Arriverez-vous à les contrôler? Je ne sais pas. Choisissez votre camp, l'eau, l'air, le feu ou la terre. Le prochain pouvoir, ça sera donc le feu. Le feu, alors c'est sûr et certain. Allez, je vous dis ciao tout le monde. Hein? Qu'est-ce que je fais là? Un Zerblast. Je vous dis au revoir tout le monde. Salut!